Le samedi 20 février 2016 reste une date mémorable pour les fils et filles du Sans-Vie, venus massivement exprimer leur attachement indéfectible à l'homme dont le mérite n'a cessé d'être loué pour les nombreuses actions de grande envergure menées au détriment du peuple Sans-Vie. Les autorités administratives, politiques et militaires, les associations féminines, les associations de jeunes, les différentes communautés, la jeunesse du Sans-Vie, n'ont pas voulu se faire raconter la cérémonie de présentation de vœux à M. Aboubakary Cissé, directeur du cadastre, conseiller économique et social, président du réseau des cadres républicains d'Aboisseau. C'est donc dans une ambiance conviviale et chaleureuse qu'a eu lieu cette cérémonie. De la libation aux prières, c'est sous la bénédiction des chefs coutumiers et religieux que la cérémonie s'est ouverte. D'entrée de jeu, le chef de cabinet du conseiller économique et social a souhaité le traditionnel aquaba aux invités. Sa Majesté Nana Amadou Cinq, honorable chef traditionnel et guide religieux, messieurs les chefs de communauté, chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, au nom du cabinet de M. Cissé Aboubakary, conseiller économique et social que nous avons l'insigne honneur de diriger, nous vous saluons et vous souhaitons la cordiale bienvenue. Permettez-nous de prime abord de vous présenter toutes nos excuses pour les désagréments que vous pourriez constater, car, comme nous le disons communément, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aussi, voudrais-je remercier les organisations féminines, de jeunesse et masculine, qui nous aident et qui nous soutiennent dans notre tâche de tous les jours. Population du département d'Aboisseau, c'est pour vous que M. Cissé Abou, conseiller économique et social, a détaché une partie de son cabinet ici à Aboisseau, afin d'être toujours à vos côtés. Nous comptons sur vous pour que cette tâche qui nous est confiée connaisse toujours un succès. Nous profitons de cette tribune pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2016. Et plus particulièrement, nous souhaitons pour M. Abou Cissé plein de promotion dans sa carrière professionnelle, une santé de fer, surtout beaucoup de courage à lui dans sa quête inlassable du bien-être de ses frères et sœurs. Encore une fois, merci à tous et Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout au long de leurs allocutions, les différents intervenants ont exprimé leur reconnaissance au Baobab, celui dont l'ombre fait profiter toute une région à travers plusieurs actions, entre autres l'accès aux opportunités d'emploi pour les jeunes, les prises en charge scolaires, la contribution à l'autonomisation de la femme, la promotion du genre, l'assistance médicale, la réhabilitation de salles de classe, ainsi que plusieurs autres actions sociales. Messieurs les représentants des forces de l'ordre, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers amis jeunes de la plateforme des leaders d'associations de jeunesse du département d'Aboisseau, Monsieur Cissé Aboubakary, conseiller économique et social, l'honneur me choix, Monsieur Cissé Aboubakary, de vous présenter au nom de tous les jeunes du département d'Aboisseau, à vous, à votre tendre épouse, votre très chère maman, ici présente, ainsi qu'à toute votre famille, tous les vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Monsieur le conseiller économique et social, la jeunesse du département d'Aboisseau, mue par le désir de vivre ensemble, mue par le désir de la cohésion sociale et la sauvegarde des valeurs de paix, qui constitue même
les fonds baptismaux du Saint-Louis ont décidé de la mise en place de la plateforme des associations de jeunes. Laquelle plateforme compte en son sein actuellement 23 associations de tous genres. Monsieur le conseiller économique et social, sans pour autant être très exhaustif, nous allons énumérer succinctement vos actions durant l'année 2015. Accès aux opportunités d'emploi pour les jeunes, prise en charge scolaire, contribution à l'autonomisation de la femme, promotion du genre, assistance médicale, diverses actions sociales. Très cher papa, très cher aîné, la jeunesse vous dit merci. Cependant, nous saisissons cette occasion pour vous présenter quelques doléances de la plateforme. Lesquelles doléances sont énumérées comme suite. Nous sollicitons auprès de vous la mise en place d'un fonds de projet jeunes, incluant l'exclusivité de la gestion par les jeunes et pour les jeunes, en vue de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat jeune. La plateforme regroupe en son sein des jeunes diplômés également, dont le souhait serait de bénéficier de par votre canal des prises en charge, des bourses d'études, des stages et surtout de l'emploi. Oui, monsieur le conseiller de l'emploi. Car le travail, même s'il ne sort pas l'homme de la pauvreté, lui garantit au moins sa dignité, disait un auteur. Je terminerai mes propos, monsieur le conseiller économique, en vous réitérant une fois de plus nos voeux les meilleurs à vous, à votre très tendre épouse et à toute votre famille. Vive monsieur Aboubakary Cissé, vive Aboisso, vive le 108, vive la plateforme des jeunes leaders et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Messieurs les autorités coutumières, honorables invités, monsieur Aboubakary Cissé, conseiller économique et social, à l'occasion de la nouvelle année, toutes les femmes du département d'Aboisso, de par ma voix, vous souhaite bonne et heureuse année 2016 à vous et à votre famille. Oui, nous vous saluons, monsieur Aboubakary Cissé. Vous qui avez su nous tendre la main afin d'améliorer nos quotidiens et nos cadres de vie, en nous aidant à sortir de la précarité dans laquelle certains d'entre nous se trouvaient par manque de moyens. En effet, vous nous avez demandé de nous constituer en association. Lesquelles associations que vous aidez à se prendre en charge? Oui, vous nous aidez à nous soigner, à scolariser nos enfants, à entreprendre de petites activités. Vous nous aidez à la création des PME afin de nous rendre autonomes et indépendantes. La liste est tellement longue que je ne pourrais tout énumérer ici. Sachez, cher monsieur Aboubakary Cissé, que nous, les femmes du département d'Aboisso, sommes avec vous. Nous ne cesserons jamais de prier Dieu le Tout-Puissant afin qu'il vous protège et vous comble davantage de grâce, car vous êtes un homme bon qui se soucie des autres. Nous vous faisons la promesse qu'en cette nouvelle année, les femmes d'Aboisso feront votre fierté à travers notre dynamisme et notre acharnement au travail, afin de devenir des femmes émergentes comme vous le souhaitez. Que Dieu vous bénisse, il vous apporte la santé et vous soutienne dans toutes vos entreprises. Très bonne année 2016, papa Aboubakary Cissé.
Je vous remercie. Monsieur Aboubakary Cissé, conseiller économique et social, et votre épouse. Si les communautés ont accepté d'intervenir ce matin, c'est pour justement témoigner de vos actions dans le sud Comoé et particulièrement à Aboisso. En effet, nous avions pour toutes les communautés nationales que nous sommes, nous avions dit, été témoins de vos actions, surtout en matière d'emploi. Et c'est aujourd'hui les parents de C. Gossman qui est un cas, j'allais dire, emblématique. Je voudrais vous dire merci. Et à travers lui, toutes les communautés dont vous avez voulu faire de nos enfants des gens qui sont aujourd'hui actifs pour servir la Côte d'Ivoire. Nous voudrons aussi vous remercier pour tous ces enfants, toutes ces personnes qui, dans leurs souffrances, dans leurs épreuves, ont bénéficié gracieusement, spontanément, de votre aide et dont nous voulons aujourd'hui porter la parole pour dire infiniment merci à M. Aboubakary Cissé et son épouse. C'est pourquoi, avant de terminer, je voudrais vous dire que toutes les communautés sont sincèrement très fières de compter avec vous cette nouvelle année qui vient de clore. Et nous vous souhaitons encore en plus de toujours être au service de ces populations que vous avez bien voulu aider pour que le Seigneur vous accompagne encore longtemps dans votre vie, ainsi que toute votre famille. Je vous remercie. Nous sommes nés dans le même quartier, à Aboisso, précisément à Iboakro, mais notre sous-quartier c'était Iboakro, avenue Soula, là où aujourd'hui est construit l'hôtel Cascatel, et à Boussissé était à au moins 50 mètres de chez nous. Nous avons grandi ensemble, nous avons fait le primaire ensemble, le collège ensemble, jusqu'à ce que nous séparons en troisième. Au CEG d'Aboisso, aujourd'hui collège moderne d'Aboisso. Mon frère n'aimait pas la défaite. Et il voulait toujours être premier de la classe. Or, nous avons là une sœur, qui était ma cousine, qui était très brillante. Et c'est elle qui renversait toujours nos frères à Boussissé. Et il ne voulait jamais changer quelque chose sur ce. Et c'est comme ça que nous sommes restés jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Mais toute fois qu'il m'a vu, il m'a toujours appelé mon frère, il ne m'a jamais appelé mon ami. Et c'est comme ça que nous avons continué de vivre ensemble. Sans oublier ce qu'il fait pour la notabilité, le samedi, nous connaissons beaucoup. Merci à ce que Dieu vous bénisse. Monsieur Aboubakary Cissé, dans son adresse, s'est dit heureux de voir une population massive venue lui manifester son amitié. Il a ensuite formulé le souhait de voir les plus forts tendent la main aux plus faibles, car selon lui, l'homme naît les mains nues et il partira les mains nues. Enfin a-t-il exhorté l'auditoire à faire une prière à l'endroit de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et pour le président de la République, le docteur Alassane Ouattara. Je voudrais remercier toutes les populations venues nombreuses aujourd'hui nous accompagner. Il s'agit d'une cérémonie de présentation de vœux, mais en même temps, l'occasion de partager un repas, l'occasion de partager de la convivialité. Au nom des autorités administratives, politiques, militaires, au nom des chefs coutumiers représentés par Nana Adjouan, représentant Nana Amandou Foussin, le roi du Sambi, au nom de Nana Ebouenda, représentant le canton de la Douvelin, au nom de toutes ces personnalités, au nom de toutes nos mamans, associations féminines,
au nom de toute la jeunesse, association de jeunes, au nom de toutes les femmes, au nom de toute la communauté, en un mot comme en mille, au nom de toute la vaillante population du département d'Aboisseau, de Tiapoumé d'ailleurs. Je voudrais à ce jour vous remercier. Je voudrais vous saluer et je voudrais dire que se rencontrer, se côtoyer, passer des moments ensemble, partager de la convivialité, participe de notre condition d'être humain, c'est-à-dire la condition de partage, de solidarité, l'occasion de célébrer notre humanité. Je suis heureux et profondément touché de voir toutes ces personnes de qualité, qui, malgré leur programme extrêmement chargé, ont pris de leur temps depuis ce matin pour être avec nous, pour passer du temps avec nous. L'électricité nous joue des tours, il fait excessivement chaud, mais chacun de vous est assis à sa place, chacun de vous est là. Cela est la manifestation de l'amitié. Cela est la En cette année 2016, mon souhait le plus profond, du fond de mon cœur, c'est que chaque jour, dans chacune de nos actions, dans notre façon de faire, nous faisons l'effort de tendre toujours la main à l'autre. Comme je le dis souvent, l'homme naît les mains nues, l'homme partira les mains nues. Tout ce que nous avons, fonction, véhicule, maison, des richesses de quelque nature que nous avons, nous devons savoir que tout cela, nous les empruntons. Parce qu'au jour dernier, nous n'aurons que nous-mêmes pour retourner vers notre Seigneur. Malgré votre richesse, vous ne pouvez pas manger un sac de riz par jour. Et pourtant, pendant que vous avez le sac de riz, il vous suffit d'une seule assiette. Mais et votre frère qui est à côté de vous? Et votre soeur qui est à côté de vous? Et ce malade qui est couché à l'hôpital? Je voudrais, à cette occasion, vous demander de faire l'effort pour célébrer la fraternité. Quand vous allez quelque part, quand un être humain est malade, des êtres humains peuvent se cotiser pour le soigner. Mais quand un mouton est malade, le mouton ne peut pas cotiser pour soigner le mouton malade. Dieu nous a fait grâce de l'humanité. Faisons en fait de faire grandir cette humanité-là. Je voudrais au cours de cette année que la grâce de Dieu soit en abondance sur vous et sur vos familles. Que la grâce de Dieu soit sur ceux que vous aimez et ceux qui ne vous les aiment pas. Que la grâce de Dieu soit sur tous nos malades. À l'heure où nous parlons, certains sont à l'hôpital, certains sont en train de souffrir, certains sont dans la douleur. Ayons une pensée pour eux. Prions pour eux. Le guéri d'aujourd'hui est le malade de demain. Pensons à demain. Je voudrais aussi que nous prions pour tous nos morts. Le vivant d'aujourd'hui est le disparu de demain. Prions pour nos morts, pour qu'eux aussi prient pour nous. Nous avons des amis qui nous ont quittés, nous avons des soeurs qui nous ont quittés. Chaque fois que nous avons l'occasion de passer à côté de leur maison, nous pouvons payer un paquet de sucre, un peu de lait pour aller saluer leur famille. Pour que les parents se souviennent que quand leurs parents étaient là, nous étions des leurs. N'oublions jamais la cour, la concession de ceux qui étaient nos amis et qui aujourd'hui sont partis. Faisons l'effort d'être proches d'eux. Ainsi, certains seront proches aussi de nos parents quand nous partirons. Je voudrais que nous prions pour la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui investit, c'est Dieu qui institue. Nous avons le président de la République, le docteur Assane Ouattara. Aujourd'hui, c'est lui qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Prions pour lui. Parce qu'un pays qui avance, c'est parce que le chef est bon, c'est parce que le chef est en bonne santé. Enfin, prions pour la Côte d'Ivoire.
Pour qu'il ait un chef, il faut qu'il ait un village. S'il n'y a pas de village, il ne peut pas avoir de chef. Prions pour la Côte d'Ivoire. Et enfin, je voulais ensemble que nous fassions une prière. Une prière sous forme de vœux pour toujours affirmer nos liens d'amitié. Prions Dieu pour que notre jardin ne manque jamais d'eau. Prions Dieu pour que notre jardin ne connaisse jamais la sécheresse. Prions Dieu pour que nos récoltes ne pourrissent jamais. Prions Dieu pour que notre étoile brille, afin que nos ennemis reconnaissent la puissance de notre Dieu. Amen. Je voudrais, encore une fois, à mon nom personnel, au nom de mon épouse ici présente, au nom de mon cabinet, au nom de tous les frères et de toutes les sœurs d'Abrosso, vous dire merci. Vous dire infiniment merci. Et vous dire que nous sommes ensemble aujourd'hui, nous serons ensemble toujours. Parce que nous sommes les lasers de la célébration de l'amitié. Je vous remercie. Prestation d'artistes, danse et partage ont couronné cette cérémonie. Les jeunes ont demandé à nous rencontrer pour nous faire leurs vœux, ce qui est tout à fait normal en tant qu'acteur économique et social dans notre région. Et nous avons décidé de leur donner cette opportunité. Et ce qui a fait, ce qui explique la tournée d'aujourd'hui. Maintenant, derrière ça aussi, c'est l'occasion aussi de se rencontrer de temps en temps. Avec les préoccupations des uns et des autres, c'est pas toujours qu'on a le temps de se voir, de partager de la convivialité, de s'expliquer nos préoccupations, nos soucis, notre vision. Et cela a été l'occasion aujourd'hui de pouvoir rencontrer toutes ces communautés, toutes ces personnalités du Sud Kumbwe. Et je peux dire que la rencontre d'aujourd'hui a été vraiment un succès. Voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez de plus encore pour le Sud Kumbwe pour que vraiment la population ait encore un engouement de plus que ce qu'on vient de voir? On a plus de une population assez patente pour vous, monsieur le conseiller de l'université. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous êtes le cadre d'une région, vous avez un devoir vis-à-vis de vos populations. Vous êtes né dans une localité, vous êtes allé faire des études, vous occupez des fonctions administratives et vous appartient à travers vos idées, à travers vos relations, trouver des solutions pour aider vos familles, pour aider vos parents, pour aider la communauté de votre région. Vous avez vu ces derniers temps, nous avons aidé les femmes à se mettre en association. Grâce au fond de la première dame, certaines femmes ont eu de l'argent pour commencer à faire des petites activités, l'autonomisation des femmes. Grâce à certaines relations, nous avons eu des médicaments pour mettre dans les maternités, dans les hôpitaux. C'est ça le rôle du cadre. Celui qui doit venir pour encadrer l'activité au niveau de sa localité. Et c'est en cela que je dis que tous les cadres, c'est un appel, doivent pouvoir se mettre dans cette vision. Ce n'est pas le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, qui viendra et régler tous les problèmes dans tous les petits villages. Il a fait confiance à des cadres qu'il a contribué à former. Il appartient à ces cadres-là aussi d'être le relais de son action auprès des populations. Donc pour 2016, comme pour les années à venir, notre rôle sera toujours le même, c'est-à-dire être proche de nos populations. Merci. C'est nous qui vous remercions. Les vœux que je formule à l'endroit de M. Cissé, ce sont les vœux de bonheur, de santé, de prospérité et surtout de promotion dans son service. Promotion dans son service et que toutes les actions qu'il mène dans le département d'Abuasso puissent connaître un dénouement heureux. Et c'est le vœu que je souhaite pour que la communauté du département d'Abuasso puisse bénéficier de ses bontés, de ses grâces et de ses largesses. Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à notre aîné, M. Sissa Bakary. Voilà, parce que nous estimons que c'est un modèle pour tous. Et vu ses actions qu'il fait au niveau social, pour les femmes comme pour les jeunes, nous avons décidé en tout cas de venir en tout cas le soutenir et le saluer. Voilà. En ce jour, en ce grand jour, je voudrais vraiment présenter mes voeux à Papa Abou Cissé. Que Dieu lui accorde la prospérité, la santé, la paix, l'amour entre lui et toute la population d'Abuasso. Que Dieu lui accorde longue vie à lui, à sa femme, à ses enfants et à tous ses proches. Je voudrais aussi vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous.
grâce à lui, nous avons notre dignité, nous les femmes, dans la région d'Abouasso. Vraiment, nous lui disons un grand merci. Nous sommes réunis ici à cette date bien précise. Ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est vous venez honorer une personne qui a fait preuve de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour pour une population tout entière, en la personne de M. Aboubakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes tous présents, toutes les communautés réunies dans la diversité pour venir lui présenter nos vœux les plus sincères de longévité, de réussite, de prospérité, aussi bien pour lui-même que pour toute sa famille en général. Mais pour ma part, mon vœu le plus sincère à son endroit, c'est que c'est la continuité donc, dans ses œuvres humaines qu'il continue de faire à l'égard de toute la population. C'est la prospérité dans ses actions à l'endroit de tout petit et de tous les nécessiteux. La prospérité à l'endroit de tous ceux qui ont toujours recours à lui pour le bien-être de soi-même. Que Dieu le Père Tout-Puissant continue de l'assister dans ses actions, continue de l'assister dans ses ambitions, continue de veiller sur lui et sur toute sa famille. Et nous sommes à cette cérémonie aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Et nous voulons profiter de l'occasion pour dire nos voeux de bonheur, de santé, surtout de longévité. Et nous voulons prier Dieu pour donner longue vie à notre conseiller économique, Cissé Aboubakary, pour qu'il puisse encore, comme le sait si bien le faire, aider ces populations qui ont tant besoin de lui. Notamment, nous avons vu tout au long de l'année passée, nous, dans notre communauté, il a aidé beaucoup de personnes. Et je me plaisais tout à dire que nous le remercions pour, au nom de Gossman, dont il a fait aujourd'hui un fonctionnaire. Et au-delà de cela, il y a eu beaucoup d'enfants qu'il a aidé dans notre communauté. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour lui souhaiter, en tout cas, nos voeux les meilleurs pour que cette année 2016, Dieu le fortifie et lui donne le courage encore d'être au secours de ses frères, à la disposition de ses frères. Je vous remercie. Il souhaite bonne heureuse année à M. Aboubakary Cissé, à ses collaborateurs et à toutes les populations d'Abouasso. Souhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wassalamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Merci. Je présente mon vœu au Baba du Sangui. Je lui souhaite meilleur vœu 2016. Et que la ville continue de faire ses mouvements, que tout ce qu'il entend de faire pour le département d'Abouasso et la région et le sud Komoui. Vraiment, on lui remercie beaucoup pour tout ce qu'il participe dans la région. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je lui souhaite un meilleur vœu de longévité et la prospérité pour qu'il puisse avancer dans ses domaines, dans toutes ses fonctions qu'il occupe, pour que Dieu lui facilite à avancer pour ses travaux. Monsieur Cissé Aboubakary est un monsieur que j'admire beaucoup. Voilà. Je l'admire dans tout ce qu'il fait comme action, dans sa générosité. Et comme lui-même l'a si bien dit dans son discours, tout ce que nous avons comme que nous avons sur terre, nous allons laisser partir. Donc il faut partager, c'est ce qu'il fait. Et je souhaiterais qu'il continue sur cette lancée. Et ce que je souhaite de cher pour lui, c'est qu'il y ait une promotion au niveau de son service. Ça, c'est ce que je souhaite, c'est mon souhait le plus ardent. Et je voudrais en cette année 2016 souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de bon sur cette terre à Aboubakary, et que le conseiller économique et social qu'il est, n'est-ce pas, soit inspiré à tout moment, et qu'il puisse, n'est-ce pas, aller vers la population, se cueillir vraiment les difficultés vues cette population-là, et qu'il puisse avoir la force, que le Seigneur lui accorde cette force-là, de pouvoir résoudre les problèmes, de pouvoir veiller à ce que cette population-là, n'est-ce pas, soit au quotidien, vraiment, ne manque de rien, puisse subvenir à leurs besoins, puisse leur accorder tout ce qu'il faut dans le bon sens du social. Et que 2016 soit vraiment une année de réussite, de santé, de tout pour Aboubakary Cissé. Je voudrais vous remercier. Vraiment, je voulais lui souhaiter mes meilleurs voeux. Bonne année 2016. Lui dire, pour le cas qu'il a fait au niveau de SEMA, pour la population de SEMA, vraiment nous souhaitons nos encouragements, les voeux les plus meilleurs. Vraiment, nous souhaitons toutes nos
bon encouragement au niveau de sa structure, que tout ce qu'il veut entreprendre en cette année 2016 lui réussisse. Et par ailleurs, nous disons beaucoup nos encouragements, parce que nous tenons compte, nous voulons le soutenir jusqu'au bout de tout ce qu'il veut faire. Merci. Et nous réitérons encore nos voeux les meilleurs, c'est-à-dire la jeunesse Aboubakary Cissé réitère encore une fois ses voeux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité au mentor M. Aboubakary Cissé, conseiller économique et social. Nous lui souhaitons vraiment bon vent pour cette année 2016 et vive la Jacques. En ce jour, nous souhaitons lever les meilleurs au mentor, que Dieu lui permette d'avoir de plus de promotion, et nous espérons que sa foi puisse grandir et que son vœu d'humanité qu'il a fait envers les populations d'Abasso puisse être réitéré encore et encore. Nous lui souhaitons vraiment bon vent et que vraiment que Dieu lui bénisse. Allah kasane re chaya masama kuyate jilwa emergent beaucoup jilwa emergent c'est Aboubakary Allah kasane re chaya Allah kasi jani kena dima limamu ni fon ben nana on te fait ka fo limamu yana me masé ka awati soro me ma fiyana ibe barami glas la me ala Allah ka fanga du la ibe komi glas la me ya kono Allah ka baraka du la Allah ka ke here ma Allah ka ke si jani kena ima kala misiru de meninga ka tolila forum misiru kuna katla ka tolila misiri chama kuna ka karola misiru kono otse ka biganza si se muri de ame do ke san here ala ka chaya san here ala ka chaya ibe promotion min ko ame promotion min na ala ka dima ame promotion min ala ka dima ne re jilba ye bunya munu gane ntse ka dan fala bunya nu ala ka ala ku bunya nu ala ka ala ka bunya nu bongono ala ka bunya nu bongono ala ka san here dima pon heureux année. J'aimerais présenter mes vœux à tous les jeunes, la commune d'Abasso, à tous nos parents qui vivent dans cette cité-là. Également présenter mes voeux à nos cadres et surtout mon patron Serge Bakary, qui est un cadre de mérite pour nous, qui est un modèle pour nous. Et nous souhaitons à nos mamans, à nos chères mamans, nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix. Et cette paix-là, que ça puisse rejaillir sur la Côte d'Ivoire. En cette fin d'année 2016, nous souhaitons une bonne et heureuse année au Baobab du Sud Comboué, que toutes ses actions en 2016 soient couronnées de succès et que le CRAC à ses côtés se battra jour et nuit pour vraiment son avènement au niveau social du Nord du Sud Comboué et au niveau de chaque département concernant la région du Sud Comboué. Aussi, nous souhaitons Dieu qu'il ait des promotions et que vraiment tout son service lui soit bénéfique et que toute action qui va pour lui en 2016 soit une réussite. Et le CRAC aussi a un souhait, que toutes les réalisations qu'il va faire au niveau de chaque département et chaque point focal soit content de ses actions sur le long de la région et que Dieu bénisse ses actions en 2016. Je vous remercie. Et nous sommes ici assemblés ce jour pour présenter nos voeux les meilleurs au président du RECRA, directeur du cadastre, M. Cissé Aboubakary. L'homme, n'est-ce pas, est rempli de social, de bienveillance à l'égard de la citoyenne, de ses concitoyens. L'homme dont la générosité a dépassé les limites d'Abasso, qui est reconnu pour son, je veux dire, pour sa gentillesse, pour son altruisme, pour son don de soi. À travers toute la région du Sud Comoué, l'homme aujourd'hui dont les aspirations pour son peuple, pour sa communauté, dépassent l'entendement, l'homme de bien, l'homme de paix. Et ce jour, il fallait que nous puissions mémoriser cet événement par notre présence pour témoigner à Cissé Aboubakary qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas, nous va droit dans le cœur et que nous sommes solidaires de son action et que également son action politique et sociale, n'est-ce pas, et aura toujours des compagnons que nous sommes dans la fidélité, la loyauté et également et dans la volonté de bien agir et dans le sens de l'émergence et développement de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que l'idéal de Cissé Aboubakary, c'est bien entendu d'apporter aussi bien à sa population qu'à la Côte d'Ivoire tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bien pour soutenir le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, et de sa position. Je pense qu'il est l'un des cadres aujourd'hui qui peut contribuer comme faire ce peu et de la meilleure façon au projet d'émergence de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous sommes là pour lui dire qu'il y aura toujours des jeunes avec lui pour marcher à ses côtés. Je profite de l'occasion pour dire que nous sommes très honorés de participer à cette cérémonie, car nous avons été invités de façon officielle. Et nous le souhaitons pour la circonstance des vœux de prospérité, de longévité, et que tout ce qu'il entreprend pour la commune d'Abasso, qu'il continue dans cette action, ça nous va tout droit au cœur. Au nom de l'association, nous disons encore merci pour cette journée et nous sommes fiers de tous ces vœux. Merci.
nous a inspirés. Et nous en sommes fiers.